Le monde fonctionne d'une certaine manière jusqu'au jour où une idée brillante vient tout révolutionner. Imaginez pouvoir faire des analyses de sang sans sortir de chez vous. Et imaginez qu'on n'ait pas besoin de tout un tube, mais d'une simple goutte. J'ai décidé d'arrêter mes études. Cette machine va changer le monde. Les jeunes d'aujourd'hui sont dans l'action. Ils n'hésitent pas à remettre en question les anciennes méthodes. Ils veulent changer les choses tout de suite. Ensemble, nous allons rendre les soins accessibles à tous les malades des États-Unis. Je comprends pas comment vous pouvez assurer le travail d'un ingénieur chimiste avec un diplôme de lycée. Cette technologie ne sera prête que dans 10 ans, au moins. Votre idée est impossible. Mais continuez à apprendre, continuez à essayer. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. C'est Yoda. Ouais. Si c'est ce que tu veux, il faut que tu t'y consacres à fond. Jusqu'où t'es prête à aller pour réussir? Je peux pas leur donner la moindre raison de douter de moi. C'est encore très loin de marcher. Qu'est-ce qu'on va montrer à la démo? On va leur expliquer qu'on n'a pas de prototype qui fonctionne. On est d'accord. Notre deuxième levée de fonds nous a rapporté 165 000. Récolte le pognon! Ouais, je sais ce que t'as fait à la démonstration. C'était une première étape très prometteuse. Tu ne le dis à personne d'autre. Je suis là pour te protéger. C'est une étape, une première étape. Très prometteuse. Ce n'est pas que mon travail, c'est mon identité. Quiconque doute de mon entreprise, doute de moi. Une boîte qui vaut $1 milliard. De quoi t'as peur? Toute son image est basée sur du vent. Il faut absolument l'arrêter. On n'a pas vu un seul contrat. Je vous assure qu'elle vous ment. Tu es dépassé par la situation. Tu vas tout perdre. Non, non, ça va bien. Tout va très bien. Vous ne comprenez rien au business. Et vous ne comprenez rien à la science. Votre société mettait des vies en danger. C'est votre rêve. C'est votre histoire. Les gens croiront en votre technologie. Parce qu'ils croiront en vous.